Hey, bonsoir tout le monde! Vous savez quoi? Il est plus que temps de continuer ce magnifique mode Diablo 2, le royaume des ombres. Alors, voici mon launcher, un magnifique petit programme qui nous permet de lancer tous les modes de Diablo 2 compatibles. Ça fait trop plaisir, c'est magnifique. Alors, on va lancer ça. Je changerai la scène juste après, ne vous inquiétez pas. Place ce bordel. Donc bonsoir à tous, hein. Bonsoir à ceux qui veulent voir du vrai jeu vidéo. Eh ouais, après cette soirée Wildstar, après tant de larmes après ce tirage au sort, oui. Ah ouais. Oui, je vous ai vu, hein. Je vous ai vu vous plaindre à base de retirer tout ça. J'ai pas gagné, c'est quoi ce bordel? Ouais. Hein? Je vois qu'il y a du mauvais perdant sur le chat. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis un connard. Voilà. Je pense que ça résume pas mal la question, hein. Donc deal with it. Donc, alors, ceux qui connaissent Diablo 2 sont en train de se dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer? Est-ce que c'est vraiment Diablo 2? Qu'est-ce que c'est que ce nécro tout rose dégueulasse? Eh bien, sachez, mes chers amis, que Diablo 2 est un jeu modable. Eh oui, on peut rajouter des mods à Diablo 2. Étant donné que D2, c'est quand même un jeu qu'on a un petit peu vu dans tous les sens, hein, parce que ça fait bien genre 13 ou 14 ans qu'il est sorti. On a un petit peu fait le tour. Donc, il s'avère que certaines personnes ont décidé de faire leur Diablo 2 à leur sauce. Et donc, on a des gens très motivés qui ont fait des mods pour Diablo 2. Et donc, voici un mod Diablo 2. Il s'appelle le Royaume des Ombres, dont le développeur est sur le chat avec nous, qui s'appelle Xafan. Et non, pas de sexy cam avec Canon, malheureusement. Chez moi, la star, c'est le jeu, hein. Ce n'est pas le joueur. C'est ça qui est important. Eh ouais. Je préfère montrer du jeu plutôt que ma gueule. Voilà, ça c'est la base, hein. Ça c'est, on voit les vrais amateurs de jeux vidéo, hein. Par rapport à ceux qui font ça pour le e-pénis et la e-fame. Oh là là, ça y est. Ça y est, ah, je viens de voir sur mon Skype que je suis viré. Bon bah, c'est assez triste, hein. Allez, je rage reste. Je rage reste, j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre, je reste sur Millennium. Je vais faire mon stream, bordel. Donc, si vous étiez là, la semaine dernière, et la plupart d'entre vous n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, on est dans un mode de Diablo 2, et j'ai mis environ 3 épisodes, ce qui m'a pris environ une dizaine d'heures pour finir le premier acte de la première difficulté de Diablo 2. C'est relativement long, hein, je vous avoue. Et j'avais fini le stream sur un rage quit dégueulasse, parce que bien, je n'avais pas réussi à tuer le boss de fin d'acte. Parce que, visiblement, d'après Xafan, il avait fait de la merde. Voilà. Donc, le développeur est un gros sac. Et il n'avait pas prévu qu'une de mes attaques allait, en fait, pourrir totalement le combat qui devenait quasiment infaisable. Voilà. Donc, grâce à mes super pouvoirs de joueur de Diablo 2, j'ai réussi tant bien que mal à tuer le boss. Et Xafan, donc, qui était évidemment meurtri, hein, de m'avoir infligé une telle épreuve, eh bien, m'a fait une version pour newbie, hein, pour moi tout seul. Étant donné qu'il a dit, putain, mes canons étaient tellement mauvais que franchement, je suis obligé de te faire une version rien que pour toi parce que dans l'état, t'arriveras jamais à rien. Donc, globalement, ce qui s'est passé, c'est que bah, il a changé le combat, tout simplement. Il a changé le combat tel qu'il a été prévu à la base. Donc ce qu'on va faire, on va retester ce nouveau combat avant d'aller explorer l'acte 2. Tout simplement. Tout simplement. Donc, vu que je joue donc un nécro qui est basé, bah, devinez quoi, sur les invocations, hein, comme tout bon nécro qui se respecte, évidemment, je vais déjà faire une armée qui ressemble un peu à quelque chose. Voilà.
J'aurai assez de cadavres. Donc, relancer les invoques. On va reprendre notre mercenaire aussi. Et ensuite, on va réessayer le boss. Donc il va falloir farmer un petit truc, étant donné qu'il y a l'accès au boss est conditionné en fait par l'obtention d'un objet. Donc il va falloir le farmer. Ça va pas être très très long, mais il va falloir quand même le faire. Je crois pas que je puisse ressusciter mon mercenaire dans cette ville. Et donc oui, hein, bonjour à tous, hein, évidemment. Je reconnais des viewers réguliers. Et j'en vois aussi des nouveaux, du coup, grâce à ce stream de qualité par Bourinator et Aderwen. Même s'il y a eu des larmes, il y a eu des heureux. Ah, je vous avoue qu'il y a eu plus de pleureuses que d'heureux, visiblement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la loi des interwebs. C'est la loi des interwebs. Donc, allez, on est parti. On va aller chercher un des deux objets qui va nous servir. Ah, bah oui, GG le rage quit, hein, tu l'as vu, hein. Qui ça? Eh bien, tu m'as compris. Oui, donc j'ai rage quit hein, comme un sale à la fin du dernier stream, mais bon. Je le vis bien, hein, globalement. Je le vis bien, étant donné que j'ai réussi à tuer le boss, à laisser d'après, en fait. Donc, ça va. Je relativise la chose, on va dire. Visiblement, on tombe sur de l'élite, hein, direct. Est-ce que je tente un rush ou pas? C'est peut-être pas très safe. Mais bon, c'est plus court. Alors, où est la sortie déjà? Alors, c'est quoi cette boule de mitrailleuse électricité? Eh bien, c'est un des sorts qui a été rajouté dans le mode, qui s'appelle Morbid Orb. Et qui est donc un petit peu la variation du sort de sorcière. Donc, Orbe Glacial, hein, évidemment. Vous l'aurez tous reconnu. Mais pour les nécros, donc ça fait des dégâts magiques. Et celle-là ne bouge pas. Ah, le téléporte. Meilleure invention de Diablo 2, hein, le téléporte. Salut Protowolf. On va essayer de refaire l'armée un tout petit peu. Globalement, c'est pas très sympa comme zone. Il y a vraiment énormément d'ennemis. Ok. Ok. Si je me rappelle bien, un des deux boss est par ici. Le voici. Extra strong, magic resistant, mana burn. On va le tuer au poison du coup. Ok, le décès. On a droppé un 7. Voyons voir. Ah, c'est des bots. Dommage. Je peux pas changer mes bots étant donné qu'elles boostent mes invocations. Ok, donc première zone, clear. Parfait, next. Pas en ville.
Vivi, je te trouve bien arrogant ce soir. Si tu veux que je te saute à la gorge tout le long du stream, tu peux continuer à faire à rester dans cette optique, hein. On va s'amuser. Ok. Donc on va traverser cette zone infinie. Là pour le coup c'est vraiment une très très grande zone extérieure. Ok. Ouais, j'ai prévenu les gens, Xafan. Effectivement, c'est une preview en fait de la prochaine version du mode. Donc, si vous voyez des choses qui ne sont pas encore dans le jeu, c'est normal. Disons que j'ai une version qui a été faite exprès pour moi. Donc là, pas grand-chose à dire, hein. Si vous étiez là la dernière fois, on refait la même zone. C'est parce qu'il y a un des boss qui nous intéresse qui est à la fin. Tout cela pour aller combattre Lilith. Lilith qui est le boss de l'acte 1 de ce mode. La sortie est là-bas. La sortie qui nous intéresse. On va passer en revue ouais, les changements qui ont eu lieu dans cette version. Une fois qu'on aura les objets pour Lilith, on regardera un petit peu ce qui a changé. Ah, mais je ne vais pas en vouloir aux gens d'avoir quitté le stream après qu'ils aient honteusement perdu, hein, bien évidemment. Eh ouais, que voulez-vous? C'est la base, hein. C'est la base, hein. Comme quoi je suis pas le seul à rage quit, hein. Eh oui! Faut que je garde les yeux ouverts pour le charme des Yétis. Étant donné que je crois que c'est un des charmes qui peut me servir pour faire un des artefacts que je veux. Qui sera probablement mon premier craft sur ce jeu. Et vu que le craft est une des parties les plus évoluées de ce mode, c'est quand même bien triste que j'ai pas fait de craft avant. Donc je vais faire des efforts. Et cet épisode, on va essayer de se mettre au craft un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Surtout que visiblement, de ce que j'ai compris, il y a des niveaux à monter. Donc faut bien que je m'y mette à un moment, hein, parce que si à un moment je me retrouve à être genre niveau 125 requis pour faire l'objet, bah je vais devoir quand même m'y mettre. Voilà, mais écoutez les gens, il n'y a rien à gagner sur ce stream. Mais vous voyez du vrai gameplay, vous voyez du vrai jeu vidéo, et vous vous dites, putain mais si je reste alors qu'il n'y a rien à gagner, eh ben j'aime vraiment les jeux vidéo. Je suis pas un vautour dégueulasse qui regardait seulement pour gagner une clé bêta d'un jeu auquel je jouerai deux fois dans ma vie. Eh oui, c'est ça qui est important. Là, vous êtes des vrais. Vous êtes des vrais, vous pouvez vous appeler vous-même des gamers. Eh oui, alors que ceux d'avant, eh non. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, remerciez-moi, hein, franchement, je viens de vous ouvrir les yeux, hein, sur votre véritable nature dans les interwebs. Vous êtes des vrais gamers, c'est tout. De toute façon, je vais vous dire, si vous regardez en milieu de semaine du Diablo 2 à minuit, vous êtes un putain de vrai. Vous êtes un vrai, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous, les enfants.
le petit résiste ou physical en counter pick. Ah là là. Où est-ce qu'on peut avoir l'extension de D2? Bah, sur le site de Blizzard. En gros. Quoique, c'est vrai, hein, mais... À propos de ça, à propos de où obtenir Diablo 2, etc. Diablo 2 doit être un des jeux qui a le moins baissé de prix depuis sa sortie, en fait. C'est-à-dire que depuis environ... Allez, 8 ans, vous le trouvez à, genre, 15€... avec l'extension, quoi. Et partout, hein, je veux dire, sur internet, sur en magasin, etc. Partout, partout, partout. Donc, c'est assez bizarre. Hein. Alors que je suis sûr que StarCraft et WarCraft ont, eux, énormément baissé de prix. Mais. Diablo 2, que dalle. Hein. Diablo 2, que dalle. Hein. Oh là là. De là à dire que Blizzard fait pas beaucoup de cadeaux à ses joueurs, il n'y a qu'un pas, hein, il n'y a qu'un pas. Ah, merci d'être resté, Dr. Cook, à plus. Donc, on a les deux parties de ce qu'on cherchait. Donc, je profite, allez, de ce petit temps mort pour montrer les nouvelles améliorations. Ah, StarCraft et Warcraft 3, c'est encore 15€. Ah, ben, au moins, Blizzard est fidèle à lui-même, hein, ça va. Donc bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus, hein, évidemment. Donc, ce qui a changé par rapport à la dernière version qu'on connaît déjà. Les potions ont disparu. Les potions, comme on les connaissait, ont été modifiées. Donc, je vais vous montrer. Alors, avant les potions, en fait, il y avait tout un tas de potions de vie différentes qui soignaient plus ou moins rapidement. Mais maintenant, elles ont toutes été remplacées par des potions qui soignent une quantité plus élevée de vie. Donc là, 75 par rapport à 50 avant. Mais le temps... De soins et de 10 secondes. Donc au final on a gagné de la quantité de soins, mais on a perdu du temps de soins par rapport aux meilleures potions. Et c'est pareil pour le mana et la vie. Donc moi j'aime bien ce changement. Ça évite d'avoir des dizaines de potions différentes qui drop. Voyez un petit peu les objets qu'on a ramassés. Bronze Eater Shield. Elemental Resistance, Poison Resistance. Je crois pas qu'il y ait de résist sur cet item. Non, il n'y a pas de résist, donc je vais pas le garder. Increase Gold Find by 60%, ça je vais garder. Bon, les 7, je les garde. Ça c'est net. Ça on s'en fout. Et on s'en fout. Ok. Oui, si l'inventaire est grand, c'est parce qu'il y a le mode... c'est parce que l'inventaire est modifié, tout simplement. Donc la taille de l'inventaire et la taille du coffre. Et en plus, il y a le mode Pluggy intégré qui vous permet d'avoir un rangement dans le coffre quasiment infini, tout simplement. Donc pour info, je crois qu'il y a environ 4 milliards de pages de coffres dans Pluggy. Ce qui vous laisse quand même relativement de la place, hein. Pour ranger tout votre bordel. Est-ce que j'ai rien d'autre? Si j'ai ça à ranger ici. Le gold find, on va garder. Ici. Ok. Increase access duration. Faux lightning résistance, faux cold résistance, elemental résistance, gold find by 8%. Ouais. C'est sympa, mais j'utilise pas beaucoup les hex sur ce perso. Ce qui va peut-être changer d'ailleurs, mais pour le moment, pas besoin. Pas d'objet visiblement. Voilà, ça c'est l'item que je voulais faire. Combine this formula with the following items. Essence of Zerai Lightning, Completed Relic, Hard Shell, Completed Monster Charm, Yeti Fure, Completed Monster Charm. Ok. Laissez-moi ranger mes potions. Et on va s'occuper de ça. Key of Darkness, ça c'est l'objet qui va nous permettre d'aller voir le boss. Un set, donc tu te mets là.
Hammer, Fire of Hell, c'est toujours Fire of Hell, hein. C'est toujours pas Hellfire. Hein. Je note. Je note, je note. Pourtant, c'est un des changements que j'exigeais. Parce que j'ai le droit d'exiger, moi je suis canon. Ça va, c'est bon, je déconne, on se calme. On se calme, les amis. Ça, c'est un mort unique. Comment ça, c'est un changement mineur? Non. Non. Si je prends la peine de le signifier à chaque stream que je fais, mon cher Xafan, c'est beaucoup plus qu'un changement mineur. C'est beaucoup plus qu'un changement mineur. Eh oui. Médaillon qui m'intéresse pas du tout. 20 énergie, 9 vitalité, life, mana. Non. Osef. Donc, quelque chose qui a changé par rapport à la dernière fois. Regardez maintenant pour finir les charmes de monstres. On peut en mettre 5 directement. Et boum! Ça nous fait le charme. Plus besoin de cuber 2 par 2. Les objets, c'est vraiment très très agréable maintenant. Parce qu'avant c'était quand même un petit peu relou, hein, dans le principe. Donc voilà, vous aurez ça dans la prochaine version. Est-ce que j'ai joué au successeur de Diablo 2, Hellgate London? Wow. Hellgate London qui est un jeu qui est mort 2 fois, hein, je le rappelle. Hein. Un jeu qui était globalement pourri à sa sortie, qui est mort dans d'affreuses souffrances par faute de revenus, qui a été racheté et qui est remort un peu plus tard. Non, pour répondre à ta question, non, je n'ai pas eu l'insigne honneur de jouer à Hellgate London, même si au final c'était quand même considéré comme le premier Diablo avec des flingues, hein, bien avant Borderlands. Mais non, malheureusement, j'ai pas pu jouer à Hellgate London. Après, le peu que j'en avais entendu ne m'avait pas forcément beaucoup saucé, hein, pour jouer à ce jeu. Voilà. Mais c'est vrai que ça restera un des jeux que j'aurais voulu essayer. Mais bon, l'essayer maintenant, je pense que c'est déjà légèrement difficile. Et puis, je pense que quand même maintenant, il y a bien mieux, hein, tout simplement. Quoique, je sais pas s'il existe un vrai MMO, hein, parce que Hellgate London, c'était un peu un Guild Wars. C'était surtout du truc instancié, si je me rappelle bien. Pff, je sais plus. Donc, je sais pas s'il y a vraiment, à part Borderlands, si quelqu'un s'est mis dans le créneau Diablo with Guns. Un des premiers jeux en DirectX 10. Ah, peut-être bien. Peut-être bien. Ouais, c'est ça, c'était bien instancié, ouais. Donc, je disais quoi? C'est ça que je veux essayer de faire. Increase all speed by 10%, 18-48 fire damage. Increase life régénération, elemental résistance. J'en ai deux en plus, comme ça, au pire, je le crafterai 2 fois si je peux. Donc, j'ai besoin de Heart Shell, Yeti Fur et Essence of Zerae. Est-ce que j'ai un hard shell? Ça ne me dit rien. Demon's Blood, Demon's Skin, Demon's Blood, Rod of Blood. J'ai du Demon's Skin, mais j'ai pas de hard shell. Qu'est-ce qui peut bien dropper hard shell dans le premier acte? Spectral Matter, hard shell. Insectoïde monster. J'en ai vraiment zéro de ça. Donc insectoïde monster, donc peut-être que les araignées, mais c'est pas des insectes les araignées. Ah bah merci Bourri. À plus. Est-ce que je joue à Path of Exile? J'ai joué à Path of Exile. J'ai joué à Path of Exile à partir de décembre 2011. J'ai eu un early access à la bêta.
J'ai joué intensément pendant environ 3 mois, j'ai laissé tomber, ensuite je suis revenu, j'ai joué intensément pendant 6 mois, et là je suis en instance de ne pas y revenir, en gros. Parce qu'en fait, je considère que Path of Exile est un jeu qui demande trop d'investissement. Et j'avais plus la motivation, en fait, de suivre toutes les évolutions des personnages, parce que tout va très vite dans Path of Exile. Donc, non, malheureusement, j'ai joué à Path of Exile beaucoup. J'ai optimisé tout ce qui était à optimiser sur mon perso, mais après, j'ai plus pu, quoi. J'ai plus pu continuer Path of Exile parce que ça me demandait trop de temps de jeu, en fait, tout simplement. Donc voilà, après, je n'enlève rien de la qualité de Path of Exile, hein, bien évidemment, c'est un excellent jeu, mais pour seulement si vous décidez d'y passer vraiment du temps, quoi. Je trouve que c'est pas un jeu sur lequel on peut jouer comme ça en mode random. On va pas avoir la quintessente moelle, dirais-je, du jeu. Si l'on joue comme ça au déboté à Path of Exile, malheureusement. Ce qui est un problème, mais aussi un avantage, hein, mais parce que si vous décidez de vous y mettre réellement de façon intense à Path of Exile, vous allez être récompensé par un des meilleurs jeux de ces dernières années, quoi. C'est ça, y a absolument aucun doute là-dessus. Si vous aimez les hack and slash, je vous invite même plus que fortement à tester Path of Exile. La substantifique, c'est ça. Merci, Swef. Donc les hard shell, c'est sur des ennemis donc que j'ai pas dû tuer en quantité. C'est pour ça que je me dis que c'est sûrement dans un donjon caché. Ah, alors que Ganon nous dit qu'il a peur de sortir en mode hardcore. Ah, j'ai connu ça aussi. Mais tu sais, je vais dire un truc. Un perso que t'as créé en hardcore, tu le crées mort. Si tu crées un perso en hardcore, il va forcément crever. Alors, je m'explique. Soit tu le joues pas et c'est un perso mort parce que c'est un perso qui prend de la place pour rien sur ton compte. Soit c'est un perso que tu vas jouer et qui va forcément crever. Donc dans tous les cas, c'est un perso qui est mort. Donc moi je te dirais, joue-le. C'est ça le truc. Ça sert à rien de pas jouer ton perso parce que, je veux dire, t'as cliqué sur la case hardcore. Tu l'as créé pour ça, tu l'as créé pour l'adrénaline, etc. Si tu le joues pas, t'as perdu ton temps à le jouer avant en fait. Le personnage hardcore, il va forcément mourir. Donc, au lieu de le faire moisir sur ton compte, joue-le et puis il partira en pleine gloire. Après, voilà, c'est la philosophie que j'ai développée sur Diablo 2 parce que bon, j'ai monté tellement de persos en hardcore. Qu'au final, t'apprends à relativiser, quoi. C'est tout. Mais après, ouais, si t'as un attachement particulier au perso, bah, je comprends que tu veuilles le garder vivant sur ton compte, mais bon, si c'est pour pas jouer avec, il perd quand même grandement de son intérêt. Après, bon, voilà, ce ne sont que les baragouinages d'un vieux de la vieille du hardcore sur Diablo 2. Donc, in before Ganon arrive la semaine prochaine. Canon, salaud, par ta faute, j'ai rejoué mon perso et il est mort. Enfoiré de merde. Donc, mais ça, bon, c'est Classicus. Ça, c'est Classicus, hein, je veux dire. Voilà quoi. Ah là là, le hardcore sur Diablo 2.
Et donc c'est pour ça que le hardcore sur Path of Exile, par exemple, pour en revenir à Path of Exile, est intéressant parce que même si tu meurs en hardcore, tu vas passer en mode softcore en fait. Le perso est transféré tout simplement dans la ligue softcore. Donc au final, on perd pas le perso. Bon, on perd la totalité du coffre, hein, pardon, que vous aviez récolté pour le perso, etc. Donc, je veux dire, le perso ne pourra jamais. Pourra jamais rejouer en hardcore, etc. Mais au moins, vous avez toujours la satisfaction d'avoir votre perso. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, Zafan nous a dit que c'est les trucs qui invoquent les cocons, etc. Enfin, les trucs volants. Bon, je chercherai ça en offline s'il faut. Hein. C'est pas pressé. J'étais parti à la base pour aller taper de l'Andariel. Donc, on va faire ça. On va se refaire une armée, rapido. Salut Sagasan. Ah, Soif qui a dit que t'as perdu ton 76. Eh ouais. Rip in peace alors. Rip in peace à ton perso. Ou creep in peace. Ou rip in pieces, je ne sais pas. S'il vous plaît, pas seulement rip. Hein. Donc. Andariel. Si, elle est morte, je l'ai tuée dans la partie d'avant, mais après on peut la farmer, je veux dire, donc il suffit de refaire l'objet pour aller dans son donjon, et puis on peut refaire le combat. Raté, il fallait le sortir de l'inventaire, gros sac! Donc, on se calme. Ok, alors voyons ce nouveau combat d'Andariel. Oh, Skill Shrine. On va au moins relancer... les deux plus gros du coup. Les loots que tu chopes ressemblent à des objets sur Titan Quest. Ah, bien vu. Bien vu. Les charmes sont effectivement basés sur Titan Quest. Tu as parfaitement raison. Wow, ça fait le ménage très vite dans les invoques en tout cas. Hein. Ça n'a pas changé. Ça a pas changé. On est toujours sur une base commune à ce qu'il y avait avant. Ah ouais, mais maintenant elle est gratos malheureusement. Ah non, mais c'est tellement du rape beam ce truc. Waouh. Tiens, je pensais qu'elle était pas censée redropper un soul shard. Je pense que c'est Je pense que c'est pas tout à fait voulu, mon cher Xafan. Où est-il? Ouais. Je pense pas qu'on est censé pouvoir looter ce truc-là. Tiens. Je veux vérifier un truc. Ah, c'est ça. J'ai fait le bug d'Andariel. Bon, alors. Ok. Ok, cours de Diablo 2 pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc le bug d'Andariel, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous tuez Andariel pour la première fois dans le jeu, que vous parlez uniquement, et c'est très important, uniquement oui. Au mec qui vous téléporte dans l'acte 2 et que vous déco, vous faites une déco immédiatement après, eh bien le flag qui compte le premier kill d'Andariel n'est pas validé. Et en fait, à chaque fois que vous allez tuer Andariel, eh bien, vous allez avoir des drops comme un first kill. Voilà, c'est un des bugs de Diablo 2. Et normalement, ça marche aussi avec certains autres boss. Ça marche avec Duriel, mais les drops de Duriel sont pourris. Donc ça sert à rien. Mais c'est à peu près tout. Quels sont les changements apportés avec ce mode? Ah, déjà, on a un inventaire un petit peu plus grand. On a des nouveaux slots d'items, donc notamment des jambières. On a un slot d'artefacts que l'on peut crafter grâce à des objets comme ceux-ci qui sont des recettes, en fait. On n'a plus de ring, mais donc on a quand même deux slots supplémentaires avec l'artefact et ça. Donc au final, ça, on a autant de slots qu'avant.
On a tout un tas de nouvelles formules de craft. On a des upgrades pour les objets. Là, par exemple, on peut donner de nouvelles capacités aux objets, etc. On a un tout nouveau, des tout nouveaux skills à utiliser. Donc, c'est basé aussi sur Titan Quest. Donc, comme vous le voyez, en fait, on doit d'abord monter une mastery, donc un point global. Et une fois qu'on a mis des points là-dedans, on va avoir accès à tout un tas de nouvelles capacités, exactement comme dans Titan Quest. Et donc on a deux masteries par personnage. Sachant que là, on les choisit pas, les masteries. C'est pas comme dans Titan Quest, on va en choisir un et ensuite une autre plus loin. Là, on commence, suivant le perso qu'on a choisi au début, on a deux masteries qui sont associées. Donc là, pour le nécromancien, comme j'ai pris, on a Death, qui est surtout les attaques de poison et les invocations. Et dans Vampirisme, on a tout ce qui concerne les attaques au corps à corps et les transformations que peut avoir le nécro. Donc ça, c'est un truc tout nouveau qui est apporté dans le mode. Et ensuite, les spécialités, ce sont des passifs en fait que l'on peut mettre sur notre personnage. Voilà, ensuite, bah, les apports du jeu, bah, tout le jeu est modifié. Il y a des nouvelles quêtes, il y a plusieurs villes maintenant. On traverse 7 ou 8 villes différentes par acte. On a une nouvelle histoire. En fait, c'est une modification totale de Diablo 2 tel que vous le connaissez. Donc, si vous voulez jouer à un nouveau jeu avec les bases de Diablo 2, bah, vous pouvez essayer ce mode. Vous avez le nom ici. Et vous avez le créateur du mode qui est sur le chat, hein, c'est le dénommé Xafan, hein, qui a posté juste avant, donc vous pouvez le harceler, hein, bien évidemment. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Est-ce qu'il est trouvable en français? Eh bien, comme le créateur est français, le mode est de base en français. C'est juste moi qui l'ai mis en anglais. Donc oui, il est parfaitement trouvable en français. Donc, Vine machin m'habite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est déjà ici. Ça c'est déjà ici. Il faut que je fasse. Il faut que je vérifie les doublons, c'est important. Parce que sinon, je sais juste plus où j'en suis. Et ouais, la version originale dans ce mode, eh bien, c'est le français. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, tout ça ne m'intéresse pas, ça on le fera donc plus tard. Voilà. Ok, altération, ça m'intéresse pas, ça non plus. Est-ce qu'il y a un wiki pour s'y retrouver? Non. Pour le moment, non. Faut voir ça avec Zafan, mais je pense que à terme, les infos se trouveront sur le site officiel, donc sur moddb slash royaume des ombres normalement. C'est ce qui se passait pour Nezeramontias, hein, avant qu'on ait les wikis jeux online que j'ai moi-même remplis, hein, quand même, je me fais. Voilà. Je le dis parce que voilà, j'ai le droit. On se servait du site officiel qui avait des listes déroulantes en fait d'infos. C'est pareil pour Medion XL d'ailleurs, hein, le site officiel, il y a encore toutes les infos dont vous avez besoin pour le mode. Je pense que à terme, ce sera ce qui va se passer. Voilà, là pour le moment, c'est vrai que Xafan nous dit que le mode est encore en développement. Il n'y a encore que 3 actes sur 4, etc. Les mises à jour sont encore régulières. Ça sert à rien de perdre du temps, de faire des wikis pour quelque chose qui va éventuellement changer et même fortement changer dans les prochains temps. Donc du coup. C'est normal que pour le moment il n'y ait pas de wiki, mais à terme, c'est ce qui va arriver, très clairement. Qu'est-ce que je pense de l'extension de Diablo 3 qui arrive bientôt? Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Voilà. Diablo 3 avait pas mal de problèmes. C'est un jeu qui manquait cruellement de endgame, etc. Il y a enfin, tous les problèmes de Diablo 3 ont déjà été débattus à l'infini sur les interwebs, donc je vais pas m'y attarder plus que ça. Mais toujours est-il que je considère, moi, en tant que joueur de Diablo 2 et de Diablo 3, que l'extension est un pas dans la bonne direction. Après, bon, on peut aussi critiquer certains aspects de l'extension, notamment son prix. Parce que 40 € à la sortie, c'est quand même un petit peu cher payé
pour un acte supplémentaire et une classe. Hein. Mais globalement, enfin moi qui avais apprécié Diablo 3, hein, on va pas non plus se mentir, j'ai passé du temps sur Diablo 3 et je me suis bien amusé dessus. Voilà, j'attends l'extension, j'attends pas l'extension énormément, je vais sûrement pas d'ailleurs y jouer tout de suite, mais disons que c'est un pas dans la bonne direction. Ok, quest log. Find the undead lord that blocks the way to Caldeum. Talk to Cain at Caldeum. D'accord. Donc pour le moment, je ne peux pas passer en haut, c'est ça? Tout à fait. Malheureusement, tu peux pas avancer. Il y a un gros méchant pas gentil et tout pas beau qui nous empêche de passer. Blablabla. Osef! On doit taper du monstre, ça c'est la base. Donc j'ai envie de dire, tapons du monstre. Hein. Voilà, tout simplement. Oh bah dis donc, l'acte 2 qui est du désert. Ah bah putain, jamais vu ça, mais nulle part, dans aucun Diablo quoi. Ah non, je vois pas trop où t'as trouvé ça, Xafan. Là je suis très déçu. Hein. Je suis très très déçu, j'avoue. Je sais pas trop ce qui t'a pris de mettre de l'acte 2 avec du désert. Franchement, c'est quelque chose qui est pas du tout classique dans l'univers de Diablo, donc non. Je suis pas très convaincu, non. Je suis pas très convaincu de cette idée. Je pense que tu devrais mettre plus de jungle. La jungle, c'est garanti hein, dans Diablo. De toute façon, tout le monde aime la jungle. Ça, c'est clair. Bon, alors première chose que je peux dire sur cette nouvelle version, avec l'augmentation de la vie des invoques, elle crève toujours en 2 frames. Hein. Donc globalement, ça c'est toujours un petit peu inutile. Bon, ça c'est fait. Bon, faut dire que je suis tombé que sur des élites à la sortie de la ville. Ce qui aide pas non plus forcément sur la durée de vie des monstres. Mais là, globalement, on s'est fait bien bien atomiser la gueule, hein, globalement. Ah non, mais la jungle, c'est garanti. La jungle, c'est garanti, hein, par pitié. Hein. Respectez la jungle dans Diablo 2 et dans Diablo 3 aussi. Hein. J'imagine, je ne sais pas pourquoi, je suis très déçu de voir que dans l'extension de Diablo 3, il n'y a pas de jungle. Hein. Il n'y a pas de labyrinthe infini dont on ne peut pas se sortir. Hein. Des maps qui nous conduisent directement à la map numéro 3 sans passer par la map numéro 2. Hein. Non, non, je trouve que ils auraient dû faire ça dans l'extension de Diablo 3. Donc voilà, évidemment, n'achetez pas l'extension de Diablo 3 parce qu'il n'y a pas l'équivalent de l'acte 3 de Diablo 2. Hein. Comme toujours, je le répète, hein, l'acte préféré de tous les joueurs, bien sûr. Hein. Récupérer les putains d'artefacts de Kalim, on adore ça à chaque fois qu'on crée un nouveau perso. Ouais, ouais, ouais. Oh, nouvel artefact, enfin, nouveau charme global. Oui, ça manque probablement de défense, effectivement. Je pense qu'en fait, ils prennent tous les coups, tout simplement. Mais il y a moyen, non, de monter leur défense, il me semble. Maintenant. Non, attack speed. C'est plus tard encore. C'est plus tard encore qu'on pourra monter la défense et le nombre. Donc là, forcément, on va diviser les dégâts qu'ils vont recevoir. Donc normalement, ça ira un peu mieux. Je pense qu'il faut pas trop toucher à la vie des invoques tant que je suis pas arrivé à la zone où je peux avoir plus de squelettes. Il faut pas trop toucher à la vie des invoques parce que ça peut vite devenir ingérable. Si par exemple, à un moment, je me retrouve avec les 8 squelettes. Et qu'on a boosté la vie trop fort, ça va être un mur impénétrable quoi. Donc c'est pas bon non plus. Donc pour l'instant je me demande si je vais devoir trouver une zone supplémentaire ou si le mort-vivant que je recherche se trouve dans cette zone là. Alors pour ceux qui nous rejoignent donc c'est la première fois, je découvre le mode. Hein. Je n'ai pas.
Je n'ai pas joué au mode avant, c'est la première fois que j'arrive dans l'acte 2 dans ce mode, donc je découvre en même temps que vous ce qui se passe. Hein. Donc là, globalement, ça va, enfin, c'est des monstres qu'on connaît de Diablo 2, donc je m'en sors à peu près pas mal, on va dire. X Drop of Blood. Tout à fait. L'hôtel des ventes va être supprimé en fait au moment de la sortie de l'extension. C'est ce que j'avais prévu. Hein. On m'avait demandé souvent quelle était la sortie de l'extension. Au moment où on avait encore donc pas de date de sortie, et je crois qu'elle est fixée au 24 mars, si je me rappelle bien. Ils avaient prévenu de toute façon que l'hôtel des ventes serait supprimé fin mars. Donc c'est à partir de là que je m'étais dit, il est peu probable qu'un changement aussi important soit loin en fait de la sortie de l'extension. Parce que c'est typiquement le genre de changement qui va être fait lors d'une modification en profondeur du jeu. Donc j'avais dit, il est peu probable qu'on ait l'extension genre plus de 1 mois ou 2 mois après ce changement. Bon, j'avais vraiment pas pris de risque parce que j'avais dans l'idée effectivement que ça allait aussi concorder avec la sortie de l'extension. Bon, j'avais pris 1 mois, 2 mois de battement, mais bon, il était classique, enfin il était clair qu'au moment où ils avaient dit bon, on va supprimer l'hôtel des ventes à tel moment, enfin c'était bon quoi. On savait que c'était la sortie de l'extension quoi, tout bêtement. Donc ouais, on va partir sur de nouvelles bases. Après le problème qui va se poser par contre, c'est que en tout cas de ce que j'ai vu moi de l'extension via la bêta Friends and Family qui a eu lieu il y a je sais pas un mois et demi je crois, un mois et demi, 2 mois. Quasiment tous les objets du jeu sont liés au compte. Il n'y a quasiment plus aucun trading qui est possible. La seule chose qu'on peut trader qui aurait à peu près de la valeur, c'est les objets rares qui sont pas encore passés via l'enchanteur. Donc il peut modifier, je sais pas si vous savez, mais un des ajouts de l'extension de D3, c'est l'enchanteur en fait qui va vous permettre de modifier certaines capacités des objets. En fait, techniquement, ça vous remplace une des capacités de l'objet par une autre. Et donc, une fois que vous avez fait ce truc-là sur vos objets rares, eh bien, les objets rares deviennent liés à votre compte. Donc, ils ont déjà coupé totalement l'accès à l'hôtel des ventes, mais en plus, ils ont limité fortement les échanges entre joueurs. Là, il n'y a quasiment plus rien, pardon, qui est échangeable entre les joueurs. Donc, franchement, je sais pas. Je sais pas, parce que c'était un... Ils sont un peu le cul entre deux chaises, malheureusement, Blizzard, parce que... Diablo 2, c'est un jeu de trade. On ne peut pas... On peut pas... Objectivement, on ne peut pas dire le contraire sur Diablo 2. Si vous vouliez du bon stuff sur votre perso à haut level, vous étiez obligé de passer par du trade. La raison pour laquelle c'était comme ça, c'est parce que les taux de drop sur Diablo 2 sont extrêmement faibles. Beaucoup plus faibles que sur Diablo 3 d'ailleurs. Hein. Donc les gens qui se plaignaient du taux de drop sur Diablo 3... très franchement, vous étiez vraiment logé à une très bonne enseigne hein, par rapport à D2. Mais toujours est-il que la plupart des objets de très très haut level n'étaient atteignables qu'en faisant du trade. Donc, j'en arrive à un point, c'est pas seulement hors sujet, ne vous inquiétez pas. Ce qu'ils ont voulu faire dans Diablo 3, à la base, l'hôtel des ventes, ce n'est qu'un gigantesque forum de trade accessible à tout le monde directement en jeu. Et avant que vous me sautiez à la gorge à base d'hôtel des ventes en argent réel, je ne parle bien évidemment que de l'hôtel des ventes en argent de jeu, donc en pièces d'or. Ça, je veux qu'on soit d'accord sur l'appellation, etc. Donc, l'hôtel des ventes en or était, dans l'idée de Blizzard, une façon plus rapide pour les joueurs d'avoir accès à un forum de trade. Tout,
tout simplement. Parce que, techniquement, c'est ça. Je veux dire, vous, ils avaient créé une monnaie qui avait, bah, à un moment, elle avait une certaine valeur. Bon, la pièce d'or a vite dévalué, hein, on sait, avec tous les histoires de duplication, etc., qui ont eu lieu dans les premiers temps du jeu, bon, l'économie s'est vite cassée la gueule, mais à la base, c'était prévu pour être ça, c'était prévu pour être un forum de trade accessible à tout le monde. Donc moi, personnellement, ça m'allait très bien. Parce que j'aimais pas passer mon temps en fait sur les forums de trade à chercher l'objet qui serait parfait pour mon build, etc. Bon, après, il s'avère que l'hôtel des ventes en argent réel, c'était une atrocité de la nature, un truc qui aurait jamais dû exister, on est bien d'accord. Et donc, le problème de l'extension de Diablo 3, c'est que en supprimant l'hôtel des ventes, parce que, étant donné la levée de boucliers, de tous les interwebs qu'il y a eu contre l'hôtel des ventes en argent réel, ils se sont dit bon, on peut pas continuer comme ça parce que de toute façon ça va plus marcher au bout d'un moment. De toute façon, ça a pas du tout arrêté les marchés parallèles de vente d'objets. Donc on va laisser les gens faire comme avant avec leur forum de trade. Le problème, c'est qu'en plus de ça, ils ont enlevé quasiment toutes les possibilités de trader. Donc je sais pas ce qu'ils veulent faire en fait. À mon avis, le seul intérêt, enfin la seule chose que voulait faire Blizzard, c'était de court-circuiter les marchés parallèles d'objets. Ça c'est clair. C'est la seule chose qui les importait. Visiblement, l'hôtel des ventes a misérablement fail dans cette optique-là, hein, parce que, je veux dire, des farmers, il y en a à l'infini, des sites qui vendent des objets, il y en a à l'infini aussi, donc ça a court-circuité que dalle, et donc ils se sont dit, bon bah, pour court-circuiter, on va arrêter tous les échanges entre joueurs. Et ça, à mon avis, c'est pas la bonne solution, les gars. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Donc bon, j'avoue, je suis pas très pour ce qu'ils ont fait de limiter quasiment la totalité des échanges sur Diablo 3 extension. Hein. À mon avis, ça va pas du tout dans l'optique de rajouter du contenu au jeu. Hein. Enfin, du contenu endgame, etc. Hein. Parce que bon, pour moi, je vous avoue, ça change absolument rien étant donné que je suis un joueur du self-drop. J'ai jamais eu de perso ultra stuffé à Diablo 2 parce que je suis quasiment jamais passé par les forums de trade. Donc globalement, j'ai toujours eu de la merde sur mes persos. Et je m'en sortais très bien comme ça. Bon, à part avec mes barbares, hein, c'est vrai. Où là, pour le coup, si t'as pas un bon stuff, tu fais rien. Donc les barbares, c'est les seuls persos que je jouais en guild. Bon, bref. Mais là, du coup, Diablo 3, pour moi, m'irait. Parce que du coup, je m'en fous que tout soit droppable uniquement en self-drop et ensuite pas échangeable. Parce que de toute façon, j'aurais pas fait l'échange. Mais du coup, quand même, un des gros intérêts de Diablo 2, qui était l'interaction via les forums de trade, ne sera plus possible. Est-ce qu'ils vont augmenter les drops? Oui, les drops ont été augmentés. Les drops ont même été fortement augmentés. Donc bon, je vous dis ça basé sur la bêta Friends and Family qui est maintenant une closed bêta, donc c'est pas le jeu final, je veux dire, on peut pas dire voilà, ça va être comme ça. Ils peuvent encore changer le truc et modifier les taux de drop pour la suite du jeu. Mais dans l'état de ce que j'ai vu de la Friends and Family, ça droppait même beaucoup, et ça droppait surtout en fonction de ton perso. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous jouez un perso par exemple basé sur la force, comme le barbare ou donc le croisé, qui est la prochaine classe que vous aurez à jouer dans Diablo 3, vous allez principalement dropper des objets qui auront de la force en truc principal, en capacité principale. Donc en fait, le jeu va vous donner des items plus pour vous. C'est ça, c'est ce qu'ils appellent le loot 2.0, qui est d'ailleurs déjà en place sur les versions console de Diablo 3. Voilà, juste pour info, ça existe déjà. Et donc ce loot 2.0, comme ils l'appellent, hein, je suis désolé, c'est le nom, va arriver avec l'extension Reaper of Souls. Je sais même pas s'il va pas,
s'il va pas arriver un petit peu avant le loot 2.0. Je sais pas s'il est pas sur les serveurs déjà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui avait été demandé fortement par la communauté. Donc, communauté d'enfants gâtés, hein, bien sûr, étant donné que sur Diablo 2, on n'avait pas ça, hein. Non, on n'avait pas ça, non, non, non. Bonjour à vous. Salut, t'as tué un random. C'est génial. T'as tué un random boss mort-vivant, et du coup, on peut bouger les trucs qui nous empêchent de passer. Ok. Ok. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, et en plus, je gagne de la thune sur les objets qu'on va me vendre à Caldeum. Mais je vous avoue que j'aimerais bien continuer par l'autre côté parce qu'en fait, j'avais trouvé une nouvelle zone à explorer, vous voyez? Là, il y a une zone annexe. Alors, je sais pas si je suis censé y aller tout de suite. Je vais d'abord mettre mes points. Qu'est-ce que vous en pensez? Putain, 5 points de stats, 5 points de skill. Vache. Il faut le mettre. Qu'est-ce qu'on va monter? Qu'est-ce qu'on va monter? Est-ce que je monte réactivité? Parce que du coup, au prochain level, je pourrais enfin monter mon nombre de squelettes. Ouais, je vais totalement faire ça. Allez, on va mettre 5 points, comme ça débloquera ça au skill d'après. Enfin, au niveau d'après. Boum! Ok. Ok, on va faire ça. Wouah, j'ai droit à un nouveau passif. Alors, lisons ça. Augmente les chances d'éviter les attaques while not moving, but decreases life. Okay. Increase attack spell speed. D'accord. Ok, donc on a de l'IAS et du fast cast, mais on a moins de FHR. Ok. Reflect damage taken to mana, but reduce mana. D'accord. Provide life steal, ça je m'en fous. Provide mana steal, je m'en fous aussi. Increase the efficiency of all synergy, but reduce physical resistance. Synergy effect. Synergy effect, donc ces trucs-là en fait. Non? Ça c'est censé être des synergies, j'imagine. Parce que, attends. Synergie effect plus 10%, mais physical resist moins. Donc, ouais, si je le monte au maximum, j'ai 50% de bonus de plus sur toutes ces saloperies. Mais je prends 25% de dégâts en plus. Les synergies, regarde les skills actifs en bas. Ah d'accord, les synergies en bas. D'accord, ok. Ok. Ah, c'est ouais, je sais pas, c'est quand même un gros défaut, hein. Prendre 25% de tatane en plus, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, hein. Tout ça pour gagner en tout à ouais, 50% sur les synergies. Ah, les synergies sont quand même bien bourrines, mais je pense que je suis déjà trop en mode DPS. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Essayons les autres. Bon, ça, déjà, c'est pas pour moi. Le lifestyle, etc., ça, c'est pas pour moi du tout. KLC, je peux pas test en fait. Je peux pas test. J'ai demandé. Enfin, Xafan m'a prévenu, on peut pas respecter ces points-là. Donc, si je mets des points dedans, c'est final. Donc là, il faut non, il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je vais prendre. Parce que ça, c'est pas mal, hein. Le dodge, c'est pas mal, c'est toujours utile. Et en plus, vu que je suis un perso qui va assez peu, ouais, si quand même, je bouge pas mal. Ouais, je sais pas. Sinon, il y a cast et attack speed. Parce que le FHR, je pense, c'est pas très très grave. 25% de fast speed, enfin de faster cast rate. Pourquoi pas? Damage to mana, c'est pas mal.
Alors, Damage to Mana, si vous ne savez pas ce que c'est, Damage to Mana, en fait, ce n'est pas quelque chose qui vous prend le mana au lieu de votre vie. Ça, c'est réservé à bouclier de mana de la sorcière dans Diablo 2, ou bouclier de mana dans Diablo 1, si vous voulez savoir. Damage to Mana, en fait, c'est quand vous prenez des dommages, un certain pourcentage de ces dommages va être répercuté en mana. C'est-à-dire que vous allez gagner du mana. Si vous prenez 100 dégâts, bah, vous allez gagner là 20%, donc 20 mana. Ce n'est pas un bouclier de mana comme on peut l'entendre dans Diablo 1. Non, justement, c'est pas le mana qui sert de vie. Justement, c'est pas ça. D'ailleurs, c'est très mal traduit dans la version française et on pense que c'est ça, mais en fait non. Donc, mana moins 10%, c'est pas possible. Enfin, là, si je monte au maximum, ça fera mana moins 50% et dans l'état, c'est juste pas possible. Donc, ouais, je pense que je vais être obligé, entre guillemets, de prendre Murderous Madness. Mais c'est vrai que le glace canon, c'est pas mal, hein. Du coup, tu ne prends que 80 points de dégâts. Non, non, tu prends la totalité des dégâts, mais ce pourcentage, un pourcentage est répercuté en augmentation de mana. Voilà, on prend 100 dégâts et on gagne 20 mana. Et si je monte ça au maximum, je prends 100 dégâts et je soigne 100 mana, si vous voulez. Bon, allez, je prends le truc safe. Je prends le truc safe. Le fast attack speed et le fast cast. Ouais. Allez, vendu. D'ailleurs, je peux le monter à 2. Allez, c'est parti. Non, non, pas glace canon. Pas glace canon. Pas avec ce perso. Pas avec ce perso, Kael, c'est Days or Lie. Donc, j'ai des points de skill aussi. J'ai 10 points de skill, donc on va continuer à monter la vita. Il n'y a pas ça dans Diablo 3. C'est-à-dire, non, je crois pas que le mana on steal, enfin le mana, le damage reduce to mana, enfin le, je sais plus. Bref, ce machin-là qu'on a expliqué, hein, faites pas chier non plus. Ça y est pas dans Diablo 3. Tu as parfaitement raison. C'est un des affixes qui a disparu. Peut-être qu'il est revenu avec l'extension, hein, je sais pas. Mais en tout cas, il me semble pas qu'il y ait ça. Bah, le problème de Diablo 3, c'est qu'il n'y a plus de mana, quoi. Et la gestion de la bulle secondaire, hein, elle est très différente de Diablo 2 en fait. Donc au final, on n'a pas pu, enfin, ils n'ont pas pu faire ça directement parce qu'il y aurait des classes où ce serait trop OP, je pense. Attends, il y a juste un problème, c'est que j'étais pas censé pouvoir passer ici, du coup. C'est pas ça la zone qui était censée disparaître? Ils ont fait un bouclier sur la vie, sur le mage. Ouais, c'est bien possible. En fait, oui, il y a Crystal Skin, mais c'est pas. C'est le même principe. Enfin, je veux dire, c'est comme l'armure de glace dans Diablo 2. Ça existait déjà pour le coup. La suite est en bas, d'accord. Okay. Je rêve où mon mercenaire vient de faire justement orbe. Je suis pas fou, hein. J'ai vu une orbe traverser l'écran. Hein. J'ai vu une orbe de glace traverser l'écran. Y a pas d'embrouille. Hein. Élite, on va essayer de faire gaffe. Pouah, mais je prends tellement cher. Ah, mais il y avait plein de trucs pétés hein, au début de Diablo 3, hein, Kels. Il y avait énormément de capacités qui étaient n'importe quoi. Hein.
Visiblement, la momie est top, hein, mine de rien. Oh là là. Oh là là. Il y a des ailettes. Il y a des ailettes. Revenez là, mes petits amis. Le TP, c'est la vie. Et ouais, le TP sur les nécros, les enfants. Si c'est pas pété, ça. Donc, je le rappelle, hein, pourquoi c'est utile d'avoir un TP sur un nécro ? Eh bien, grâce à ça, vous pouvez micro-manager vos invocations. Quand vous vous TP, eh bien, vos invocations se téléportent sur vous. Donc, en fait, c'est un moyen de, voilà, simplement de micro-manager vos invocations. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est le télébug, ça s'appelle. C'est une capacité, en fait, si vous vous téléportez sur un monstre, en fait, la totalité de vos invocations vont taper le monstre au moment où vous allez atterrir sur lui. Donc, ce qui fait que vous pouvez focus, en fait, vos invocations sur une cible. Ça s'appelle le télébug, et c'est totalement utilisé encore dans Diablo 2, hein, donc je ne vais pas vous rappeler, évidemment, les façons que vous avez d'avoir téléporte dans Diablo 2. L'énigma, hein, bien sûr. La fameuse armure énigma, évidemment. La très fameuse, ou l'infameuse, hein, comme diraient certains. Vous avez des trucs beaucoup moins chers aussi. Notamment le Nage Puzzler, qui est le bâton, en fait, du set de Nage. Donc, qui est un set de 3 parties, me semble-t-il. Vous avez vous devez avoir le casque, le bâton et le plastron, me semble-t-il. Et il s'avère que le bâton de Nage possède des charges de téléporte. Donc, en fait, vous pouvez avoir des charges de téléporte sur votre nécro et donc contrôler votre armée grâce à ça. Ce qui était particulièrement utile et qui coûtait vraiment pas cher pour le coup, par rapport à vous faire une énigma hors de prix. Bon, visiblement la prochaine ville est par là. Donc du coup, on va continuer par ici, hein. Toujours, je vous le dis, c'est la première fois que je fais le mode. Donc du coup, je me balade. Oui, j'ai vu, Xafan, qu'on a un petit donjon supplémentaire. D'ailleurs, il est bien possible que ce soit le donjon du Rashquit. Hein ? Étant donné que ça ressemble fortement au repère du verre. Repère du verre qui est, je le rappelle, le pire donjon du jeu pour les nécromanciens. Hein, donc je sens qu'on va bien s'amuser. Ah, le voici, il est là, il est magnifique, il est merveilleux. Oh non! Oh non, t'as augmenté la taille des... T'as augmenté la taille. Les couloirs ne font plus un perso de large. Ah, je suis déception. Ah, je suis tellement déception. Aïe, 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 aïe. Pourtant, c'était tellement garanti. Ça allait être tellement le donjon du charisme. Ah là là. Ah merde. Ouais, non, mais excellente idée, ouais. Blague à part, hein, effectivement, ce donjon-là, c'était vraiment, vraiment trop relou de le traverser dans Diablo 2 normal. Vous étiez obligé de vous téléporter à chaque fois avec votre mercenaire, ou alors de l'attendre et de passer derrière lui pour qu'il avance. Enfin, pff, c'était la merde. C'était tellement la merde de se balader là-dedans. Voilà, parce que normalement, imaginez que le couloir fait de là à de là. Hein. Voilà, on a juste la taille du perso. Vous ne pouvez pas passer à deux, de face, de front, dans ce donjon dans Diablo 2. Hein. Oula, la multiple shot, ça c'est très mauvais en général. Crève donc par pitié. Putain, il est toujours pas mort.
Ah, que des potions, putain, je suis trop content. Est-ce que j'ai un objet socket? Un socket, un socket. Ok, de la merde. Du caca en branche, ah, ouais. Orb of Transmutation, donc évidemment, hein, évidemment, des bisous à ceux qui jouent à Path of Exile. Transform magic item into rare item. Eh bien, bonne nuit, Ganon. À plus sous le bus. À bientôt dans mon bateau, tout ça. Alors, je peux sûrement monter un point de fame. Ouais. Ou je peux avoir 15 de fast cast. Je vais prendre 15 de fast cast, hein, merci. Vert plein d'arrêt d'axe, la tête de cold. Je pense que j'ai pinpoint un petit problème de traduction, tout ça. Enfin, bon, bref. Ce que j'en dis. Ah, les joies du bêta test! Ah là là. Ah, les invoques coincés dans les escaliers, c'est la base. Donc attendez. On va nettoyer un petit peu ce beau monde. C'est marrant, ces monstres, du coup, quand on les tape, ils créent une potion, enfin une prison de feu qui nous touche pas. Donc, je veux bien qu'on note hein, que les mecs, tu vois, là le gars il dit, ah, celui-là il m'a touché. Ce que je vais faire, je vais dessiner un rond tout bien autour en faisant bien attention de pas le mettre sur le perso, t'as vu? Comme ça il sera bien niqué. Enfin non. En fait, non, rien. Ouais, je trouve ça assez stylé hein, que le que l'ennemi, tu sais, il fasse bien attention de pas nous toucher avec son attaque, hein, parce que sinon, c'est un. Non, mais j'ai bien compris, Xaphan. Je te taquine, bien sûr. What? Deux escaliers, il y a deux étages maintenant. Ah, ça c'est une nouveauté. Ça fait plaisir, ça change. Oh là, je suis un petit peu trop en YOLO strats. Il est plus que temps de bug abuse, hein. Enfin pas de bug abuse, mais d'utiliser toutes les subtilités du terrain à notre avantage, on va dire. La la la. Ah, c'est ballot, hein, vous pouvez pas monter les escaliers visiblement. Ah, c'est la tristesse. Donc bug abuse évidemment, canon salaud, tout ça, tricheur, enfin bon bref, je les connais par cœur. Hein. Je les connais par cœur. Oui, allez-y, hein. Envoyez-moi votre haine, ça me nourrit, hein. Ça me rend plus fort. Hein. And it's not even my final form. Oh, j'en ai pris un one shot surprise dans l'épisode précédent, Xaphan. Par de KLC. Je sais pas si tu te rappelles, dans les cavernes de glace, je me suis fait one shot par un monstre de glace élite. C'était très douloureux. C'était très très douloureux.
Donc voilà, un peu de respect pour mon perso, hein, par pitié. Les ruines de Caldeum. Smithing Recipe. Ah, et nous avons donc les recettes upgradées qui nous disent comment avoir tout ce bordel. Comment avoir le N-Signa, le Heavy Cuirass Casing, le Heavy Cuirass Padding, One Copper Bronze et Steel Ingot, etc. Maintenant, on sait ce que c'est. Eh oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc, du coup, est-ce que je peux faire quelque chose juste pour le LOLZ? Magic. Light Tablet, Petrified Wand. Qu'est-ce que j'ai là? Crisp Blade. En fait, le problème, c'est que j'ai aucune idée de ce que ça va créer, en fait. Et donc effectivement, regardez, il y a des trucs qui demandent une certaine capacité en fait en Smith Points, vous voyez? Et là je dois être à zéro vu que j'ai rien fait pour le moment, j'ai pas crafté de trucs, donc du coup je dois être au niveau 0. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Targe Shield, Kite Shield, c'est quoi ça? Eater Shield? Bon allez, on va essayer de faire quelque chose, allez! Est-ce que je peux faire le Chris machin? Parce que là, il est gear level 4. Peut-être que je peux essayer d'en faire un plus gros. Sabre, d'ailleurs, club, maul. Non, je pense que c'est dans Magic plutôt. Petrified Wand, Grim Wand, Light Doublet. Long Staff. Gnarled Staff, Colossus Staff, Lesser Wand. Bon, on va faire une Wand alors. On va faire un Lesser Wand pour voir. Ok, donc, une inscription. Une Wand Core, une Wand Wrapping, One Pine, Ash and Oak Wood. Donc, ce que ça donne. Il faut Salvage. Hein, normal, Magic ou Rare Weapon with a perfect Salvage Kit. Weapon Part, Bayat Ishtar, d'accord. Et ensuite, Crafting Material. Salvage 3 normal or magic weapon or armor with a salvage kit, then cube the 3 identical material salvage to refine them. Or salvage a rare weapon or armor with an expert salvage kit. Donc là, j'ai des armes, mais c'est des armes steel. Et ouais, il me faut pine, ash or oak wood. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a steel, oak, etc, etc. En fait, c'est ça, ouais. Faut que je regarde le premier mot, et c'est ce que ça va me donner. C'est ça. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va acheter tout ce qu'il y a besoin, tout simplement. Donc, ok, je prends ça. Lesser Wand. Donc, ce qu'il me faut... Salvage, any normal, magic or rare weapon with a perfect salvage kit. Donc ça, je peux virer ça, par exemple. Ok. Donc, j'ai besoin. Alchemy tool. Non, alchemy recipe. Artisan, ça doit être ça. Ouais, visiblement c'est ça. Recycle une inscription sur un rare pour faire un objet rare. D'accord, donc il faut que je sacrifie lui en fait. Ok. Donc il me faut un perfect salvage kit. Il va me falloir 3 experts salvage kit, c'est ça?
Rare weapon or armor with an expert salvage kit. Pour le crafting material. Non, je vais en faire 3 des normaux. With a salvage kit normal. Ok. Salvage kit. 1, 2, 3. Ok, donc normalement, ça suffit. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Weapon part, il faut une wand core, wand wrapping. Mana bonus, life bonus, gold find bonus, magic find bonus. Ah d'accord, et avec ça on choisit en fait ce que ça va donner. Ok, d'accord. Donc il me faut wand core et wand wrapping. Donc c'est ça et ça. Ok. Donc j'ai le choix entre fire skill, cold skill, lightning skill, poison skill. Donc là, bon, ça paraît logique, hein. Poison skill. Mon cher Xafan, si je peux me permettre un magic skill, du coup, vu qu'il y a mon attaque principale qui est magic, hein, ce serait sympa de pouvoir le faire. Je sais pas si c'est possible, mais... Mana bonus, life bonus, gold find, magic find, bah life bonus, hein, typiquement. Ok, donc maintenant il me faut 2 objets supplémentaires en hawk, c'est ça? Non. Si, en hawk. Marchand, ce sera pas ça, il me faut un marchand d'armes normalement. Die, hireling, weapon. Copper. Pine. J'ai que du pain, t'es sérieux? Bon, on va prendre 3 trucs de pain et de pine alors. Ok, donc toi, du coup, j'en aurais pas besoin. Alors, c'est compliqué, hein. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, salvage kit normal. Pine branch. Ok. Et donc, un troisième. Pine branch aussi. Ensuite, on est censé les raffiner. Ça. Ensuite. Ensuite, salvage rare weapon or armor with an expert salvage kit. Donc l'expert salvage kit, il était où? C'est ça. Non, c'est expert. Moi, je suis un connard. J'ai pris perfect. Non, mais GG. GG. Mais non, ça, je viens de le faire. Non, c'est salvage in normal magic aura with the perfect salvage kit. Non, c'est ça. C'est ça, c'est bon. Putain. Donc, inscription, vital wand wrapping, je sais pas quoi m'habite. Normalement, ça marche. C'est bon, on a réussi, on l'a fait. Increase poison damage by 2%. Eh bah, dites donc. On y est enfin arrivé. Bon, l'item, c'est un item de merde, mais bon. Hein? On y est arrivé, on a réussi à faire un craft. Bordel. Ça fait un moment, hein, que je me dis qu'il faut que je fasse un craft. C'est... Ça demande de l'organisation, on va dire. Ouais, bah du coup, il faudra que j'essaye un jour de faire des sets.
Eh ben dites donc, bon maintenant qu'on a fait ça, je peux tout vendre, hein, bien évidemment, parce que bah ça me sert pas plus que ça malheureusement par rapport à cette arme, mais bon, c'est fait, j'en ai fait un, je suis content. Allez, rangeons tout ce bordel et on avance. Alors, on va parler au PNJ, hein, voir les quêtes, tout ça. Et ensuite on est reparti pour de folles aventures, enfin en tout cas j'espère. C'est tout, ouais. Alors, si je regarde mes stats, mon niveau a dû augmenter en forge. Ah ouais, j'ai gagné 5 points de Smith. Donc voilà, il faut que je le fasse en boucle pour accéder au final à des formules de plus en plus difficiles. D'accord. Ok. Quest completed! Yay! Parlez à Kane. Enfin, t'es là, connard. Je t'attendais. T'en as mis du temps. Bon, c'est la même merde. En gros, on est bien dans le caca et c'est la faute à Assur, le baron de l'enfer. Ok, il est dans une crypte, machin truc. L'entrée de la prison peut être ouverte avec le Nephalem Staffa. Donc, dis donc, un acte 2 où il faut rassembler un bâton. Alors ça, jamais vu. Je pense que c'est hardcodé dans le jeu, hein. Alors. Ça a l'air compliqué tout ça. Search of the shaft and the staff in the sewer of the ancient city of Alcarnus, east of the Kashima outpost, and go for the head of the staff in the tomb of Partuk. Mais il y avait une histoire comme quoi il y avait des fausses tombes, etc. Mais c'est moi relire ça. Bonjour. Ah, je peux pas le relire. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres quêtes à prendre? Donc, c'est bien ça, c'est bien hardcodé dans le jeu. Hein. On est obligé de faire un putain de bâton dans l'acte 2 pour ouvrir la porte du boss, c'est ça? Même en tant que modeur, tu peux pas modifier ça. Moi, ça m'aurait bien tenté de faire une tétine diabolique ou un truc comme ça. Un biberon. Tu dois trouver le verre, hein, et la tétine. Et pouf, tu dois faire le biberon des enfers. Ça aurait été pété. Hein. Ça aurait été pété. Waouh. Ah, une question con, Xafan, mais il me semble pas avoir vu. Est-ce qu'il y a un moyen de monter les résistances de ces invoques? Parce que monter leur défense, c'est bien, mais si on reste qu'à 0 de protection magique, on va pas aller très loin. Dans Diablo 2, il y avait un résistance. Enfin, les invoques avaient un passif qui montait leur résiste. On en trouve sur les objets. Ok. Que sur les objets, d'accord. Ok, donc ce groupe de monstres, c'est juste impossible de les tuer, donc on va passer à côté, hein, tout simplement. Là, dans l'état des élites invocateurs, non, ça je peux pas. Avec ce perso, c'est pas possible, désolé.
C'est moi ou la proportion de vétérans, élites, etc. a considérablement augmenté par rapport à l'acte 1? Parce que là, j'ai vraiment l'impression de tomber sur des groupes de, d'élites toutes les 3 secondes. Il y en a un peu plus, ouais. C'est un euphémisme, mais ok. Ouais, je pense que les dégâts magiques vont être un gros problème assez vite. Alors je sais pas si c'est normal, mais sur mon écran, j'ai un peu de mal à voir la différence entre les potions de vie et les potions de mana. On voit la différence entre le bleu et le rouge, mais c'est juste que c'est la plupart de la potion, de la potion c'est quand même la même skin. J'aurais vu quand même une skin un petit peu plus grande, enfin avec plus de rouge ou plus de bleu suivant la potion. Pour être sûr du premier coup d'œil de pas se planter quoi. Genre là par exemple, posé ici, je trouve que c'est quand même assez difficile de voir la potion telle qu'elle est. Après ça vient peut-être de mon du direct draw. Parce que c'est quand même un mode assez spécial en termes de rendu donc. T'as remarqué ça aussi. Wow, il s'est passé quoi là? Ah voilà ce qui s'est passé. Les vétérans Sandslayer, c'est ça qui s'est passé. Mais d'ailleurs, j'ai passé mon niveau, donc je peux mettre des points dans cette mastery, ce qui me permet donc et voilà 5 squelettes maintenant. Ah, on est mieux, on est mieux, on est mieux. Là, je vous avoue que on va commencer à s'amuser un peu plus avec les invoques. Ouais. Ça va être bien.
Ça va être bien. Donc on va maxer ça, hein, tout simplement, parce que l'attaque speed et l'attaque, c'est bien gentil, mais pour l'instant, c'est juste des murs dont j'ai besoin, c'est pas de frappeur. Donc on va continuer à monter Skeleton Link. Pour l'instant, je trouve que mon DPS est pas trop mauvais avec les deux attaques que j'ai, donc la Morbid Orb et le truc qui balance les le poison. Donc on va rester comme ça avec ce setup et on va plutôt améliorer notre armée. Voilà, ça se passe un petit peu mieux au niveau des invocations. Là, ça crève quand même un petit peu moins, étant donné que bah, les dégâts sont divisés entre plus de cibles, hein, évidemment. Ça paraît logique, donc forcément, on a moins de morts. Et en plus, ça me laisse plus de temps pour réinvoquer des squelettes qui sont morts éventuellement, etc. Donc globalement, niveau nécro, on est déjà un petit peu mieux. Ah, dessin de Volgulk. On va regarder ça quand j'aurai terminé la zone, si tu veux bien. Ouais, là on avance pas mal. Bon, j'ai pas encore rencontré de groupe d'élite vraiment très méchant. Donc, c'est pour ça aussi que ça se passe bien. Ok, donc visiblement il n'y a rien d'autre que cette zone-là. Là, la zone est vraiment immense, hein, par contre. Si je peux permettre un conseil, enfin c'est là, je pense que la zone est vraiment trop grande pour juste ça quoi. Là, ça demande vraiment beaucoup 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 de recherche, je pense, pour trouver juste cet endroit-là spécifique dans la map. Ah, et en plus, il n'y a pas que ça dedans. Je pense que là, t'es allé un petit peu trop loin dans le délire grande zone. Hein. Là, très très franchement. Je trouve pas. S'il y avait bien un truc qu'il fallait pas modifier, à mon avis, par rapport à Diablo 2, c'est bien la taille des zones. La taille des zones, je la trouve vraiment plus que correcte dans Diablo 2. Et à part si t'es vraiment dans un donjon, etc., fermé. Les zones en extérieur. Alors je comprends que ça c'est limité en termes de
en termes de voilà, c'est juste un carré qui est relié à un autre carré, etc. Mais au final, c'est à mon avis, c'est pas quelque chose qui gagne en fait à être modifié dans Diablo 2. Alors, j'entends évidemment que tu veux faire quelque chose de différent de Diablo 2, mais si c'est au détriment du gameplay, enfin pas du gameplay, mais de la recherche, etc. Je suis pas sûr qu'au final ce soit une bonne idée. Après, bon, c'est mon sentiment, mais ça reste ton mode et ta vision, hein, donc évidemment, quelle que soit la décision que tu prendras, ce sera la bonne. Hein. Ça, c'est évident. Moi, je ne fais que donner mes impressions. Ah, effectivement, on trouve des qualités supplémentaires là. Là, on a tombé du Magnificent. Ah bah tiens, tu te demandais quand c'est que j'allais trouver du stuff trop haut pour moi. Bah voilà, ça y est. Ça y est, je ne peux pas porter ce Magnificent machin vu qu'il est gear level 9. Bon, de toute façon, j'aurais pas pu le porter parce qu'il est pas pour moi, mais bon, c'est juste pour que tu le vois, quoi. Pareil, Guardian Only. Wow. On se calme. On se calme, le monstre élite, là. Tu n'as pas d'image, c'est que... Enfin, l'image va arriver. C'est juste un petit bug de liaison entre OBS et Dailymotion. Pas de soucis, ça ne t'arrive pas qu'à toi, Bobby Lapointe, donc tu fais bien de demander. Donc bienvenue, hein. Bienvenue avec le son et l'image maintenant. Parce que la radio, c'est bien sympa, mais bon. Avec l'image du jeu, c'est pas mal aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, est-ce que c'est la bonne tombe? Parce qu'on avait parlé de deux fausses tombes dans une zone. Peut-être que c'est ça. J'imagine que c'est le même principe que les tombes de Duriel. Il y en a 6 des fausses et une de vraie. Bon là, du coup, il y en a moins de fausses. Mais normalement, même si on tombe sur une fausse, il est censé y avoir une bonne récompense à la fin dans les coffres. Ah, on me confirme sur le chat qu'avec l'image c'est mieux. Ah, content de voir qu'on est sur la même longueur d'onde. Ouh là là, il y a du fast monster là, donc ok. Tactical retreat les enfants. Hein. Et évidemment la porte. Hein. Les entres ouvertures, etc. Nos meilleurs amis. Dans Diablo. C'est tout? Pouah, c'était minable comme drop. Waouh. C'était tellement mauvais. Acte 2. Touch of the Fool. Increase cast speed plus 30%. Miam. Je veux. Need. Essence of the Breath of Cthon.
C'est pas ça justement que j'ai? Si, c'est ça. Il me faut 3 de ça. Maraudeur clos, ça j'en ai quelques-unes, je crois. C'est pas ça. Mais je crois que j'en ai. Par contre, le dernier truc, Scroll of Skill. Scroll of Skill. Je sais pas. Ah si, c'est un scroll de ça. Donc c'est soit achetable au marchand, soit... Oui, ça doit être un des trucs qui nous augmente nos capacités pendant quelques minutes. L'équivalent d'un shrine d'aptitude, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Donc ça, c'est à faire. Ça, c'est à faire. Ok, barrons-nous. Bah du coup je sais même pas si c'était le bon. Je crois pas que c'était le bon vu que j'ai droppé que des que du caca en gros. Est-ce que les objets sont empilables? Non. Non. De toute façon dans Diablo 2 les objets ne sont pas empilables hein, la plupart. Regarde les runes dans Diablo 2, on peut pas les empiler. Hein. Et c'est bien de la merde d'ailleurs. Ce serait bien pratique. Au moins on peut empiler les runes dans Marvel Heroes. Voilà. Hein. Je le dis. Je le dis, je l'annonce. On peut empiler les runes dans Marvel Heroes. Ça fait quand même plaisir. Ah, le retour des Fallen Shaman élite. Enfin, pas élite, mais... Allez, il faut décéder maintenant. Alors, je pense pas que ce soit changeable, le fait de pouvoir empiler les objets. Je pense que c'est hardcodé dans le jeu, malheureusement. Je pense que c'est hardcodé. Alors que Xaphan découvre des spots de mobs. Bah ben voilà, bah tu t'auras vu, il y a des Fallen Shaman dans le désert, voilà. Mais oui, je les ai dit dès le début, j'ai dit ah ça c'est un groupe de merde, je rage quit. Non, attends, wait. OK, voilà, on est mieux. On est bien mieux. Bon, alors recherche des autres tombes, vu que visiblement c'est pas ça. Ah oui, référence à D3, bah oui, évidemment. Oui. Non, mais Diablo 3, par pitié. Par pitié, les enfants. Si 14 ans après ou 13 ans après, on joue encore à Diablo 2, hein. Voilà. Posez-vous la question, est-ce qu'on jouera à Diablo 3 dans 14 ans? Voilà. Je la laisse en suspens, hein. Je pense que vous serez assez éclairé pour répondre. Dusty tombe. Ok. Allez, à deuxième. Le double. Alors que je viens de me faire éradiquer mon armée. Mais comme il faut. Hein. Tellement garanti. Alors je sais pas pourquoi, mais la momie tank vachement plus. La momie tank vachement plus que le zombie. Pourtant ils ont le même nombre de points de vie, donc j'imagine qu'il a plus de défense ou quelque chose comme ça. Waouh, trop de rares. Ah d'ailleurs il fallait qu'on regarde le dessin de Volgulk, donc on va regarder le dessin de Volgulk. Hop. J'ai décidé, c'est mon stream. C'est moi. C'est moi qui décide, eh oui. Allez. Mets toi le cul. Mets toi le cul. Ah allez bien. Ah ça va mal parler. Ah ça va tellement mal parler, je sens. Clevelstar.
Oui. Je valide, je valide. Ah, bordel. Le grand début de stream, hein, bien sûr. Ah non, je le valide totalement, ce dessin, Volgulk. Ah ouais. Cruel mais juste, hein. Cruel mais juste. Toujours pareil, hein. Allez, avançons. Il manque un skull. Voilà. Wow. Il s'est passé quoi là? Ah oui, putain, j'étais à côté de ces trucs-là et ça balance une nuée d'épines quand ça crève. Ah, faut vraiment que je fasse gaffe, hein, parce que là, j'ai pris tellement cher. J'ai pris tellement cher. Non mais justement, Jean-Marc, j'ai expliqué un peu avant. Si vous êtes encore là, vous pouvez vous considérer comme un vrai gamer, un mec qui est là pour le beau jeu, etc. Et non pas un rapace qui n'est là que pour rouaner une clé bêta d'un jeu auquel il jouera deux fois dans sa vie. Donc voilà, si vous êtes là, vous êtes des vrais. Donc félicitations à vous, vous pouvez vous donner une grande tape dans le dos, vous l'avez mérité. Eh ouais! Bon bah visiblement c'est la fin de notre armée, hein, voilà, ça y est. Il suffit d'un Ghostly Elite, un lanceur de javelot, et c'en est fini de notre armée de zombies. Hein. Enfin de. Pas de zombies, hein, de squelettes, hein, soyons précis. J'ai pas vraiment compris pourquoi j'ai perdu tant de vie. Ok. Ça m'a même tué ma mercenaire direct. Je sais pas ce qui s'est passé. On aurait dit le bug des lance-poison des vipères. Très 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 bizarre. Là, j'ai l'impression d'avoir été touché à chaque frame du javelot. Je sais pas, j'ai tué un an. Pourtant, je suis sûr de pas avoir rêvé, hein. J'ai vu ma vie descendre extrêmement rapidement. Ah, visiblement, Xaphane n'a pas compris non plus. Alors, ouais, ça c'est sympa, c'est les mercenaires acte 2. Le problème, c'est que j'ai absolument aucune idée de ce qu'ils gagnent comme capacité. Donc, bon. Dans le doute, on va garder la rogue. Kael C qui offre une clé Marvel Heroes. Ah, mais quelle grandeur d'âme, mon cher Kael C. Offrir un free-to-play aux gens. Non, mais, ah là là. Visiblement, c'est pas le seul, hein. Visiblement, c'est pas le seul, hein, à faire ça. C'est bizarre parce que même normalement le bug de la lance poison, ça fait très longtemps qu'il est plus dans le jeu, hein. Même en 1.10, il a disparu ce bug. Donc là, c'est assez bizarre ce qui vient de se passer sur ces monstres, surtout que ça fait deux fois déjà. Ils viennent de le refaire.
Tiens, vas-y, tire-moi dessus. Attends, j'ai combien de thunes? Attends, on va déposer la thune d'abord et ensuite on va tester ça. Le stachy là. Allez. Pour la science, je vais peut-être me suicider. Putain, mais vous êtes des. Oh là là, ils ont tué le monstre quoi. Faut chier ces invoques. Putain, mais nerf invoque quoi, OP. Invoque OP, please nerf. Ouais, mine de rien, elle tape bien, ouais, tout est relatif. Ça met 5 secondes ou 6 à tuer un monstre de base alors qu'elles sont 3 dessus. Donc bon, ça tape bien, ouais. On va dire qu'elles font des efforts, quoi. Oh merde. Nerf des invoques incoming, quoi. Et ouais, forcément, si vous attaquez à 3, bah... Oula! C'était toujours pas là. Tour qui reste qu'une zone. Hein. Merci à vous. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit pendant ce stream, mais d'avoir débugué la voix de la mercenaire acte 1, c'est pas très bien, hein, globalement. Globalement, je suis pas très content de ce changement. Hein. Non, je lâcherai pas l'affaire. Hein. Tellement rien à faire. Tellement rien à faire. Je vais pas lâcher l'affaire. Ah non. Et ouais, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Genre, j'allais oublier, quoi. Bon, vu que c'est la dernière putain de pièce, je vais me retrouver avec le boss. Ça paraît logique. Ah, le voici. Called it. Go, my minions. You need to bow before my genius. Ah, référence au joueur de Marvel Heroes. Hein. Encore des drops de qualité, hein, attention. Hein. Drops de grosse qualité. Je n'ai pas assez de mana. Ok, donc deuxième zone où c'était pas ça, hein, visiblement. Donc j'ai deux fois Breath of the Ton. Tiens d'ailleurs. Demon Claw, est-ce que c'est ça qu'il faut? Marauder Claw, ça j'ai pas je crois. Quoique. Fetish Tooth, Demon Claw. Non, Marauder Claw j'ai pas encore. Monstrous Claw.
J'ai pas. Est-ce que j'en ai ne serait-ce que un? Spectralmater, Archel, Vainigros, Monstruos Claw. Non. Nope. Marauder Claw. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, c'est ça. Marauder Claw. Les maraudeurs, bah, c'est justement ce que je suis depuis des centaines de lunes, hein, non? C'est pas ces trucs avec les quatre bras et toutes les épées? Bizarre. Et donc ça, est-ce que j'en ai trois ou pas? Pas encore. Bon, de toute façon, j'aurais pas pu le faire dans tous les cas, mais... Non, c'est pas ça. Maraudeur. Je ne sais guère, bon, c'est pas grave. Bon, tout ça, est-ce que je peux m'en débarrasser? De défense. Et ouais, mais il n'y a pas de résiste dessus. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ouais. Pour l'instant, j'ai vraiment rien droppé dans cet acte. Donc, marchons. Est-ce que ça marche toujours? Ah, ça marche toujours. Magnifique. Comment vider son cube de façon efficace? Vous le balancez par terre. Voilà, de rien. Alors les scrolls, je crois que j'ai une page dédiée. Je crois que c'est la deuxième d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce que j'ai un truc off skill? Non, il faudra peut-être en acheter un. Ce sont les mobs qui sautent partout. Ah, génial! Quel bonheur! Et quel bonheur, ouais. Bon, évidemment, j'avais une chance sur trois de trouver la bonne... la bonne tombe et je me suis déjà planté deux fois. Donc techniquement ça veut dire que je peux plus me planter. Mais bon, ça c'est sans compter mon super pouvoir de malchance. Ok, donc j'avais raison, hein. J'avais raison, les maraudeurs ce sont bien les trucs avec les épées. Hein. Voilà. Ok, donc demander des conseils au créateur du mode. Hein. Visiblement, ça connaît. Voilà, donc maraudeur, hein, c'est écrit. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi de connaître le jeu. Ah là là. Incroyable quoi. Ah, j'avais pas compris qu'on pouvait contrôler le comment étaient balancés les trois trucs de poison. Si je clique très proche de moi, ça les balance en arc. D'accord. Ah, quel bonheur. Des milliers de monstres.
Bah pour une fois que j'ai besoin de charme, ça drop vraiment pas. Non, non, ça drop pas leur charme, hein, les maraudeurs. Ils en ont tellement rien à battre. Waouh, non, mais cette zone infinie, quoi. Parler de désert animé un peu avant. Ouais, il y a quand même pas mal de monde hein, dans le désert. Il porte pas très bien son nom effectivement. Alors visiblement, hein, tous les monstres y droppent leur charme, sauf les maraudeurs, c'est beau. Ouais non, mais même avec le boost de vie là, on voit bien les invoques elles crèvent 2 frames quoi. Elles crèvent tellement 2 frames. Ouais, je veux dire, je passe plus de temps à relancer des invoques qu'à attaquer quoi. Pourtant, je veux dire, j'ai investi des points dedans, mais globalement, c'est juste injouable. C'est juste injouable en invoque, clairement. Donc ouais, mon conseil, il faut absolument un passif global pour booster au plus vite la résistance des monstres, enfin la résistance des invoques, parce que en l'état, c'est injouable. C'est totalement injouable. Voilà, là, enfin, je devrais pas en tant que nécro relancer les squelettes toutes les 15 secondes, quoi. C'est pas quelque chose qui devrait arriver. Donc, non, ça c'est. Ça, je ne valide pas, hein, j'avoue. Ah, mais j'ai même pas fini de tous les tuer ici. Oh là là. Bon, on va continuer à chercher la tombe, hein, du coup. Pro
problème en fait aussi, c'est que j'ai aucune idée d'où je suis passé et d'où je suis pas passé. Parce que vu qu'il y a tout un tas de grandes zones de rien, je sais pas si je suis déjà passé par là ou pas en fait. Là, je veux dire, il y a une grande zone où il y a absolument rien du tout à l'écran, et du coup, impossible de savoir si j'étais déjà passé par là ou pas. Bon, visiblement, ça doit être ici, vu que c'est la dernière. Je vais quand même ressusciter mon mercenaire. Non, c'est au-dessus. Bah, on peut pas y faire grand-chose. Bah, si. Si tu réduis la taille des zones, comme j'ai dit, et que tu descends à une taille correcte pour Diablo, t'as plus de problème. Parce que tu vas forcément tomber sur des events, etc. Là, c'est parce que la carte est tellement immense que forcément, tu peux pas caler des trucs partout. Toujours gear level 8. Okay. Voilà, pour parler encore ouais, de la taille des maps, là ça me dérange pas d'avoir une map immense pour un labyrinthe en sous-sol. Ça paraîtrait même logique. Non, visiblement il y a bien un problème hein, sur sur la lance magique de ces monstres. Je me fais bien toucher plusieurs fois par l'attaque. Bon, ça fait pas les dégâts craqués que faisait la lance d'os des vipères buggés, mais. Je sais pas si c'est normal que je sois touché plusieurs fois par le sort. Mais là, c'est ce qui se passe, hein, clairement. On l'entend juste au bruit, on entend qu'on se fait toucher plusieurs fois par le. Par la. C'est la lance magique, enfin, c'est une attaque du nécro de base. Hein, dans Diablo 2. C'est la lance d'os, normalement. Super, plus d'extérieur. Non mais j'étais pas censé trouver quelque chose moi là-dedans. Sowers of the Ancient City of Alcarnus. Non, je pense qu'il faut que je ressorte. Bon, je vais continuer quand même à explorer ici.
tombe tellement de la merde, c'est impressionnant quoi. Autant je tombais des rares de façon régulière dans l'acte 1, autant là j'ai vraiment vraiment pas de bol dans cette session. Là j'ai rien upgradé depuis que je suis arrivé dans cet acte. J'ai pas équipé un seul objet. J'ai l'impression d'être infiniment à 4 squelettes en fait. Je reste tellement peu longtemps à 5 squelettes que j'en viens même à douter que j'ai un cinquième squelette parfois. Je dis hein, 4 squelettes, classique. Stunlock, ça paraît logique. Ça paraît logique vu que j'ai pris de toute façon le truc qui baisse mon fast rate recovery. Normal que je me fasse stunlock par du feu. Vu qu'en plus c'est la merde pour trouver des résistes. Ouais. Bon, c'était laquelle? C'était celle-là, je crois. Ouais, c'est celle-là. Putain, mais t'es sérieux, putain! Ah non, c'est vrai. J'ai mon zombie qui vient d'un stuff. C'est normal que je puisse pas la réinvoquer. Je pensais qu'il était déjà mort. Évidemment, il n'y a aucun cadavre. Si. Et ouais, mais là le problème c'est que je suis obligé d'avancer parce qu'il y a il y a les saloperies d'invocateurs qui sont partout là. Et en plus c'est des vétérans donc je suis obligé d'avancer pour les tuer. Du coup, je suis obligé de prendre des risques. Je vais me retrouver incapable d'avancer à cause d'un groupe de Fallen. C'est quand même triste. C'est quand même ultra triste, je trouve. Ah mais je me tape tous les vétérans dans le même sac quoi. Bordel. Un voter totalement rempli, faut encore que je fasse une session rangement.
Ok, donc... Fuck, fuck this room. Fuck this room. Encore des drops de qualité. Bon allez, j'ai tué le boss. Donc visiblement, il n'y a vraiment rien à faire ici à part se barrer. Donc barrons-nous, voilà, tout simplement. Quelque chose de notable? Non, je suis mort sur un groupe de déchus, mais sinon ça va. Artisan, putain, je veux juste un marchand de base, quoi. Est-ce que je peux? Bon, allez, on va passer un quart d'heure à ranger, puis on arrêtera là, du coup. Spectral Matter. Spiny Shell. Socket in a shield. Following Rune, Show Toll. Peut pas. Beau. Un beau 4 sockets. Ah oui, quand même. Aussi Fist Weapon. Ok, c'est pas pour moi celui-là. Putain, ça fait chier de remplacer un truc aussi bon avec quelque chose d'aussi mauvais mais qui a juste de la défense, quoi. Demon Claw, Spectral Matter, Essence of Sacrifice of Talrash. J'ai pas un truc de Talrash, je sais pas quoi. J'en ai même zéro, donc ça résout la question. Les autres, je pense, je les ai. Demon Claw, c'est là. Spectral Matter, c'est là. Increase All Speed by 15%. 160 Lightning Damage. Ça me sert à rien, lightning damage ça me sert à rien, 32 wisdom, ça me sert à rien non plus. Non, non, c'est pas terrible malheureusement. Ça ouais, ce serait bien. Mais vu que j'ai ni les Marauder Claw, ni la troisième essence, ni le Scroll of Skill, je suis encore plus loin au final. J'en ai laissé tellement par terre des réactifs comme ça. À mon avis, c'était pas une bonne idée. J'aurais dû les ramasser. Ça prend pas beaucoup de place et ça évite de chercher ça pour d'éventuels crafts plus tard.
Trop tard. C'est pas grave. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Ultisan Necklace. Ouais, c'est très bon. Minion Cold Resistance, Minion Fire Resistance, Minion Attack Speed, Increased Recovery, Cold Skill, Excess Duration. Je sais, ouais, que je peux combiner les gemmes, je l'ai déjà fait. Ouais, c'est sympa, mais déjà moi je suis en mousse, alors si en plus j'enlève mon propre stuff, hein, tu m'as compris. Hein. Je le garde quand même, parce que pour le coup c'est intéressant, mais ouais. C'est un peu trop spécialisé en fait, c'est ça. C'est un petit peu trop spécialisé, mais après oui, c'est totalement ce dont j'ai besoin, ça c'est clair. Totalement ce dont j'ai besoin. Quand j'aurai un meilleur stuff peut-être, hein, que j'aurais pu virer ça, je changerai, mais dans l'état, je peux pas me passer. Hein. Je peux pas me passer de ça, enfin là. Je veux dire, il y a de la résiste à l'donf, intelligence, vitalité, life, enfin c'est. Je peux pas virer ça, malheureusement. Je suis coincé. Plus le truc, ce qui est dommage dans ce mode, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'endroit de farming, quoi. Là, je veux te dire, n'y a pas d'endroit dédié pour tomber des objets, etc. C'est voilà, tu tues les ennemis et puis c'est. Je veux dire, c'est pas comme dans Nezeramontias où il y a une zone vraiment dédiée au farming dans laquelle on peut faire des runs pour améliorer notablement son équipement. Là, c'est pas du tout le cas. Ça n'existe pas. C'est vraiment que du drop aléatoire sur les monstres, donc. On est vraiment tributaire de ce qui tombe, quoi. Et vu que farmer en Dariel, ça sert à rien, vu que ça prend 3 plombes de récupérer les deux autres objets. Ok. Encore Icy Touch? D'accord. J'ai plus 3 Icy Touch déjà. Trop bien. Je m'en sers totalement, hein. C'est quoi Icy Touch déjà? Talway, Poison Heart, Fury, Fist, Blood Golem, Wall of Suffering, Glacial Nova, Bat, Confusion, Blood Wall, Blood Drinker, Iron Maiden, Vampire, Icy Touch. Your power allows you to weak opponent in contact using cold. Damage is doubled in vampire form. Ouais, c'est une attaque au corps à corps, quoi. Donc, globalement, c'est chaud. Donc qu'est-ce qui se passe si je monte ça? De 3 points, je monte à 6. Le truc c'est que ça augmente pas les squelettes en plus quoi.
C'est un peu dommage. Je pensais que j'allais enfin avoir une armée de squelettes, hein, parce que là, 5, c'est quand même limité, quoi. C'est quand même limité au final. Ça m'intéresse pas du tout. Et ça, de toute façon, je peux pas le monter plus tant que j'ai pas mis 3 points là-dedans, donc je sacrifie la totalité de mon level. Ouais, je pense pas que ce soit une bonne. Je pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que là, ouais, l'augmentation est pas terrible, hein. 4%, 4% de minion life et 2% de minion damage pour 1 point, c'est mauvais, quoi. C'est très mauvais. Ouais, j'avoue, je sais pas. Je ne sais pas. 50% life, defense and attack. Ouais. Défense 621. J'ai plus de défense avec les nécrosquelettes qu'avec la momie. C'est bizarre. Est-ce que je rajoute une invoque? Parce que ça, au moins, ça me fait une invoque quand même. Ça fait des dégâts minables, mais bon. Du coup, je vais refaire mes raccourcis. Je vais mettre toutes les invoques dans la ligne du bas, donc USDF. Alors, on va mettre. Où sont-ils? Nécro-skeleton. Ghost, zombie, momie. Et j'ai pourri mon téléporte. Où est-il? Là. On va continuer à monter ça, hein. De toute façon, ça manque de défense, donc ça manque de défense, ouais. De toute façon, ils sont trop touchés. Ils se font trop toucher. Mais le problème, en fait, le vrai problème des invoques, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen de monter leur vie, à part investir là-dedans où le bonus est ridicule, ou investir là-dedans, et là, c'est la quantité de points à investir qui est ridicule aussi. Donc globalement, en l'état, les invoques peuvent pas être efficaces. Parce que pour avoir l'augmentation qui est la seule utile, c'est-à-dire l'augmentation de la vie, il faut investir un nombre de points absolument délirant, quoi. Et c'est un. Bon, je veux savoir si je gagne d'autres squelettes en montant cette capacité, donc je vais continuer à la monter. J'ai gagné un squelette de plus, je suis à 6. Allez, on continue. Non, faut que j'invoque 6 squelettes. Vu que de toute façon, mes squelettes ne durent que 4 secondes chacun, hein. Visiblement, il n'y a plus de cadavres du tout. Bon, pas très bien, c'est dommage.
Ok, bonne nuit NT. De toute façon, le stream va s'arrêter dans quelques minutes, donc merci d'être resté jusque là. Faut aussi que je pense à réparer mon équipement. Ok, bonne nuit Vivi. Ok, on va tracer vers la ville. Et on va s'arrêter là-bas. Oui, j'ai triché. J'ai utilisé le déplacement de la map pour voir où je devais aller. Heureux de vous voir. Nous disions donc. Oui, je veux faire le Nephalem Staff. Il faudra plein de courage pour rassembler ce truc-là. Évidemment, personne n'a jamais réussi, hein, bien évidemment. On connaît la chanson. Ok, bah, il va falloir aller à l'est. Donc c'est par ici. What? Saleté! Fallait que je me fasse troller une dernière fois, hein, c'est la base. C'est la base. C'est génial. C'est génial. Je kiffe les drops que j'ai eu pendant cette partie. C'est-à-dire rien. Je n'ai rien droppé. Rien de rien de rien de rien. Allez, fuck this. Hop, voilà. Un upgrade. Un. Et encore, j'ai perdu la moitié de mes résistes. Tout va bien. Bon, allez, on va arrêter là. De toute façon, il est 3h. Bon, alors, tout le monde, j'ai une petite annonce à faire. Je ne streamerai pas
sur Millennium la semaine prochaine. Voilà, donc on se retrouve la semaine suivante. Donc ce sera mardi 25, je crois, me semble-t-il. Vous vérifiez sur vos agendas, c'est pas mardi prochain, c'est celui d'après. Voilà, c'est pas compliqué. Donc d'ici là, des bisous quand même. Jouer à des bons jeux, c'est important. Voilà, cette fois vous y avez droit. Et donc on se retrouve dans une dizaine de jours. Allez, salut tout le monde, bonne nuit et à la prochaine.